Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est au Space Jump d'Evry, sur ce qu'on appelle le Space Court, pour s'adonner à un match de Slam Ball. C'est tout simplement un terrain de basket rebondissant, comme vous pouvez le voir ici. Match de basket monté sur trampoline, on est tout de suite parti, let's go! On enchaîne tout de suite avec la présentation de mes invités et on commence avec la team Hero et son capitaine. Dans le rôle de Goku, faites un tonnerre d'applaudissements pour mon gars Yepta! Deuxième membre de la team Hero, également une première sur la chaîne. Make some noise pour celui qu'on appelle The Clem Boy, mon gars Arnold, qui portera le maillot de Luffy. Troisième et dernier membre de la team Hero, également issu du 91. Je vous prie d'accueillir Monsieur Roméo dans le rôle de Boo. Ouais, bon, je sais, de base, Boo c'est un méchant, mais à un moment il redevient gentil, donc on va dire que c'est compliqué et qu'il s'est reconverti. Allez, ça passe. On passe tout de suite à la team des vilains, et qui d'autre que le dunker le plus méchant que vous ayez vu sur la chaîne pour ouvrir le bal. Mon gars Salim endosse aujourd'hui le maillot de Thanos pour détruire ses adversaires. Vous l'aurez compris, je fais également partie de la team des vilains avec mon maillot de Vegeta, mais il est maintenant temps de vous présenter le dernier invité de cette vidéo. Je vous présente Sylvester, que je n'ai pas choisi par hasard car il a également fait partie de l'équipe de France de Slam Ball. Il nous en dira un petit peu plus dans la vidéo et aujourd'hui il endosse le maillot de... ben personne. Par contre lui il a pas d'inscription, genre c'est... Lui il a eu un chasuble, genre. C'est le mec au chasuble. Ok les gars, donc la vidéo elle va être assez simple aujourd'hui. On va faire du 3 contre 3, on va faire du 2v2 et on va finir sur du 1 contre 3. Contre un spécial poster dunk, on est tout de suite parti pour les 3 contre 3. Here we go. Let's go. Alors les amis, avant de commencer, je l'ai pas dit, mais on a un invité d'exception. Enfin, on a que des invités d'exception, excusez-moi du peu. Mais Sylvester est ici présent, membre de l'équipe de France de Slam Ball. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Avant qu'on commence, Sylvester, il va nous expliquer un petit peu les règles basiques du Slam Ball. Ouais, du coup, le Slam Ball, ça a été créé dans les années 2000. Ça vient des States. Il y a 3 postes. Il y a le gardien, on va dire, un attaquant et 2 défenseurs. Ça joue normalement, il y a 4 trampolines, 4 bases, 4 fois 10 minutes si je dis pas de bêtises. On a le droit de mettre des balliettes. Mais du coup, au Slam Ball, c'est très très physique. T'as le droit de pousser les gens et tout. Donc quand t'as pas la balle ou quoi, t'as le droit d'arriver, mettre une balayette, une claque, t'as le droit de victimiser Yepta à volonté. Nous, ce qu'on veut au Slam Ball, c'est du spectacle, beaucoup de spectacle. Donc les shoots, ça a évité. Que du dunk. Nous, on veut que du dunk au Slam Ball. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Un panier, 1 point. Un dunk, 2 points. Et un poster. Un poster 5, allez. Un poster 5 points. C'est poster 5 points. Un poster 5 points. Let's go. 1, 2, 3. The B, on a sauté trop tôt. Oh my god. Ça fait 5-2. J'ai pensé... Ah, j'ai mal. Good job. T'as déjà vu ça ou pas? Mort, il avait cramé. I got it. Oh. Ça fait 10-4. Ok, Brice, tu veux la jouer comme ça? C'est un 6, ça. Let's go. Ça fait 17. Non, 12-4. Oh, let's go. Ok. Let's go. Ok. Ça fait 12-6. Oh, mon Dieu. Je suis en take-over. Brice, il est en mode commis. Allez,
First win. Et des posters. T'as peur, mon ref. On enchaîne avec la partie 2 des 3-3 à la revanche. On va voir s'ils sont capables de nous battre. Let's go. Here we go. Oh le bâtard. Ouais, ça... Il a du mal, hein. Oh bâtard. Merci. Hey ouais, on va en terre alors. Nope. Nope. Not in my house. Oh. Oh. Merci. Hey. Let's go. Ça fait... Oh, shit. Okay. On partit. Waouh, ça a l'air violent ça. Hey. Voilà, il a pris un avion. Il a atterri, il a atterri au Togo. Oh, ça fait 5 points ça. Ouais. Ça fait... Gauche-droite. Ah, ça t'a... Vas-y, monte. Monte seulement, monte. Let's go! Oh, tu l'as. Ah, j'ai pas sauté. Oh, you're up! Planche. Oh, poster, hein? C'est un poster? Il saute, hein? Poster ou pas, les gars? Parce que c'est un poster, c'est game. Non, mais j'ai retiré ma main. On la laisse, vas-y, joue. Ouais. Ça c'est un poster. Celui-là il fait mal. Non mec, il m'en a mis trop, j'étais obligé. Good job. Ouais. Game les gars. J'ai enfin réussi à me venger sur Brice, même s'il m'a bien allumé sur les matchs d'avant. En vrai c'est des barres de ouf les gars, par contre c'est cardio sa mère. Hein. On est tout de suite parti pour cette fois-ci du 2 contre 2 sous forme de bye-bye. En plus là c'est le sacré duo là. C'est maintenant ou jamais, Sangoku. Si tu es d'accord pour fusionner avec moi, dis-le, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh là, mon gars, c'est Goku. Goku et Vegeta. Gogeta. Je suis à la fois Sangoku et Vegeta. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, fais-moi confiance. Oh, ah, mon gars, putain, t'as confiance, oh, gars. Putain. Moi, il m'a oh, juste putain. La boucle de Ils sont en difficulté, on change sur les pics. Oui. Oh. Bah ouais, on sort. Bah oui, on sort, il a mis. Mais je l'ai contré, frère. Vas-y, panier. Le duo tchécoslovaque. Oh là là. Not today. C'est passé de toi. Not today. Nice block. Ok. Oh. Ok. Oh, le backdoor. Revenge season. Ça va shooter si ça continue. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ils défendent très bien. Hey. Ah. In your face, man. Il a step over. Ça se voit que ça se bagarre sur le terrain. Tout le monde veut gagner. Tout le monde a la niaque. C'est ça, frère. C'est ça qui est bien, frère. C'est ça, frère. Mais ils ont pas encore rencontré les Saiyans. Vous avez pas encore passé le. C'est okay, ça. Vous avez c'est ça qu'ils savent pas. Oh les bâtards, ils ont vraiment Goku et Vegeta. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, fais-moi confiance. Je remets où? Touché. Tue-le. Non. Tue-le. Oh, c'est bien. Allez, viens, Juliette. Ok. Ouais, on charge. Il bouge, bloque. Okay. Oh, merci. Garde, j'ai. Planche. Nope. Oh, les bâtards. Hey, c'est D-Wade et LeBron. Ah, mon gars. C'est D-Wade et LeBron. Wade with another steal. 3-on-1, James.
Ok les gars, on est sur la fin des 2-2. C'est une victoire du duo Gogeta Fusion. Victoire sans appel. Merci de votre participation les gars. On va maintenant passer au 1 contre 1. Et pour ça, on va demander des explications à notre ami Sylvester. Je vous rappelle, membre de l'équipe de France de Slam Ball, qui va nous expliquer les règles de ce qu'on appelle le face-off. Du coup les gars, face-off c'est simple. C'est dès qu'il y a une faute au Slam Ball, ça part en 1v1. Il y en a un dans le corner, du coup le défenseur, et un plus ou moins milieu de terrain qui part, et c'est pour aller dunker. Donc dès que l'attaquant pose le dribble, le défenseur peut aller et aller le bâcher. Oh! That's a no-no! Ah, il est monté en vitesse! Il est monté en vitesse! Franchement, je crois que j'ai mis le coude dans l'arceau. En vrai. Mais en fait, Brisco, la dernière fois c'était il y a 4 ans. Il a trop fait le malin depuis. Regardez, regardez juste. Juste regardez. Je vous l'avais dit. Il peut pas imposter. Il peut pas imposter. Stop là, éteins-le. Ça c'est le dernier espoir là. Oh, je vais t'éteindre frérot. Je vais t'éteindre. En plus, la balle, elle est tombée dans sa gueule après. Dans sa gueule. J'ai défendu 8 fois. La seule chose que j'allais retenir, c'est ça. T'as capté? T'as capté? C'est ça l'humanité. Ça fout la haine. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Évacuez le corps. Évacuez le corps. Évacuez le corps, s'il vous plaît. Écartez-vous. Écartez-vous, évacuez le corps, s'il vous plaît. En plus, il est monté avec l'espoir. Il a dit, il peut. Il a dit, je peux, je peux. C'est pas la div de gamme. Voilà, respect, frère. Respect, c'est parti, frère. Il est parti à la guerre. Il savait pas s'il allait rentrer chez lui aujourd'hui. Hey. Two hands, two hands, two hands. Mon gars Sylvester, team slam ball ou pas, aujourd'hui je te slam dessus. Je mets un moulin dans sa bouche. It's over. It's over, ladies and gentlemen. It's over, ladies and gentlemen. Hey, Silver, je crois que tout le monde va lui monter dessus. Et c'est déclaré, tout le monde va lui monter dessus. Mais depuis tard, je m'amuse avec toi, gros. Oh. Il est bœuf. Thanos. Il est bœuf. Thanos. Ça quoi te parler. En vrai, de vrai, ça quoi te parler. Valeur sûre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et... Okay. Oh je rappelle ce qu'il a dit, peut-être que vous avez pas entendu. Il a dit arrête de parler et viens, je te lave les fesses. Regardez tout de suite. Ne jouez pas à ça les gars, j'ai l'avant-bras gonflé sa mère, j'ai trop mal. Bâtard. Gimme that, gimme that shit, gimme that. Non Renaud, je te connais, je sais comment il va monter. Oh ouais, là, il a éteint. Ça me fout la haine de le dire, mais il t'a fait non, non. En vrai, de vrai, les gars, j'arrive à peine à fermer la main. Je me suis vraiment tué le poignet. Mais vas-y, on va essayer de monter demain. Oh! I got my hands on it. I got my hands on it. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez-moi en commentaire les meilleures actions. Mettez-moi en commentaire aussi également si vous voulez une partie 2. Merci à mes gars, Roméo, Yepta, Sylvester et Salim. Et aussi mon poteau Harold qui est déjà parti. On se retrouve la semaine prochaine pour une belle vidéo. Peace out, yeah.